Bonjour, bonjour, je vois vos messages. Merci d'être là, Carmen, Fabienne, Virginie, Dominique, Amandine, Simone. On va attendre encore quelques petits instants. Avant de commencer, d'abord parce qu'il n'est pas encore l'heure. Ensuite parce que on va laisser le temps à chacune d'arriver. Coucou Florence, j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. C'est pas grave, hein? On est d'accord. Hello Isabelle. Ah, tu as reçu ton envoi, super. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'amuser et à créer plein de belles choses. Coucou Sylvette, Fabienne. Vous êtes équipés parce qu'on a dit qu'on se retrouvait pour le goûter. Alors Romain, je pense que c'est Chantal en fait, si je me souviens bien, qui se trouve peut-être dans nos montagnes. Coucou Zazou. Marie-Josée est également avec nous. Sylvie, tout le monde est là. On va attendre encore un petit peu s'il y a des retardataires puisqu'il n'est pas encore l'heure. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Nathalie nous rejoint et elle est toute nouvelle. Alors, bienvenue Nathalie. Ravie de te retrouver ici avec nous. Et puis, j'espère que tu vas passer un bon moment. J'espère et je sais. je sais. En général, ça se passe plutôt bien, ce genre de choses. Bonsoir Micheline. Monique, c'est également la première fois que tu es avec nous. Eh bien, là encore, bienvenue Monique. Bienvenue avec nous. Florence, toi aussi, tu as été gâtée. Effectivement, tu as dû recevoir ton petit colis, ta petite enveloppe créative. J'espère que vous montrerez, les filles, ce que vous allez créer avec vos enveloppes créatives. Que vous allez montrer ça, poster ça sur les réseaux en taguant couleur papier, que je puisse venir voir vos créations. Cathy nous rejoint de Belgique. Coucou Marie-Claude, qui elle aussi a reçu des petites choses. Marité est également avec nous. Bonsoir à toutes. Bonsoir Nadine, il est 16h, ding ding dong. On va commencer doucement, sachant que le projet d'aujourd'hui, alors je vous l'avais déjà montré, puisque je vous l'ai montré la semaine dernière, il est assez simple en fait. Je trouve qu'il a pas mal de... Il a de l'allure, il y a pas mal de petites choses et en fait il est simple à réaliser. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. Donc vous vous souvenez, c'est cette carte-ci qu'on va réaliser ensemble. Donc il y a plein de transparence puisqu'on voit à travers ici. Puis quand vous voyez, quand je passe ma main, on voit encore plus l'effet d'embossage sur le velin. Là ici avec les notes de musique, je trouve que c'est très très joli. Bonsoir à tout le monde. Il y a Laure qui vient de nous arriver, qui est également nouvelle. On a plein de petites nouvelles, ça fait très très plaisir. Je suis ravie de vous accueillir. Bonsoir Sylvie. Jocelyne, Josette, Marie-Ange est avec nous. Moi, je vais bien. Merci, Marie-Ange. Et Marie-Claude aussi, qui nous dit oui, je suis ravie. Elle va pouvoir s'amuser avec le petit colis qu'elle a reçu. Donc voilà, c'est une carte qui est un peu particulière, puisqu'on a tout un effet de transparence sur le devant de la carte. Et en plus, on a une petite pochette ici, dans laquelle on va pouvoir glisser à peu près tout ce qu'on veut. Alors attendez, parce que là j'ai un morceau qui est un peu grand pour vous montrer. J'avais sorti une carte de visite la dernière fois, ce qui veut dire que vous allez pouvoir y placer des cartes cadeaux par exemple. Et vous allez pouvoir passer tout ce que vous voulez à l'intérieur. Donc ça fait une petite pochette. Ça peut être aussi tout à fait... Bonsoir Maya, coucou Corinne, Liliane, Astrid, tout le monde est avec nous. Donc, grand merci. Donc, vous voyez, ça vous fait une petite pochette à l'intérieur. Donc, ce que je vous disais, ça peut être de mettre une carte cadeau. Ça peut être de mettre un petit billet. Il y a des gens, les ados en particulier. C'est toujours un petit peu compliqué de trouver. Puis finalement, ils préfèrent avoir des petits sous. Donc, on peut glisser des petits sous. Bonsoir, Carole.
Et puis, ça peut être aussi une carte de vœux dans laquelle on va glisser une photo, par exemple. Ça, en général, il y a plein de gens qui apprécient d'avoir des petites photos de la famille, etc. Donc là, on a une petite pochette en plus, sachant que ce petit rabat peut également servir pour mettre la carte en relief comme ceci. Voilà, comme ça, si on la pose, on a la petite forêt qui est tout en volume. Ça fait une petite colline avec les sapins dessus. Hello Faustine, Marilyn est avec nous. Ah, alors oui, Marilyn, évidemment, les infirmières, elles sont toutes elles sont au boulot à peu près 365 jours par an, heureusement pour elles, mais souvent quand nous, on profite du temps libre. Donc, bon courage pour tout à l'heure et puis profite de ce petit moment avec nous, Marilyn. Alors, Butterfly est également avec nous, Corinne, Liliane. Superbe carte en vue, nous dit Liliane. Le redessinateur aura même un cadeau. Exactement. Coucou Suzanne et Anita est également avec nous. Donc voilà notre projet du jour. Cette petite carte avec cette jolie forêt de sapins. Ma douce voix, merci Nat. Ah oui, parce que effectivement. Nat nous le dit, elle est en train de préparer son projet pour le Blog Hop, puisque mercredi prochain, on se retrouve pour un Blog Hop. Donc, vous aurez une vidéo traditionnelle, montée, un tutoriel, efficace. J'ai déjà préparé mon projet et je peux vous dire que ça me plaît bien. J'espère que vous aimerez autant. On est prêt? C'est parti? Alors, on va faire un petit truc comme ça. Alors. Ok, ça marche jamais quand je veux. Voilà, ça et ici. Pourquoi ça ne veut pas faire ce que je veux? Non, le A, je le veux ici. Bon, alors c'est l'inverse que je veux. Hop, hop. Je vais y arriver. Hein. Ça y est, voilà, j'y suis arrivée. Bonjour Stella de Belgique, enchantée. Marité est également avec nous. Vivi. Marilyn nous dit, joli projet, je suis prête. Alors, c'est parti. Donc, en fait, vous allez voir, il faut relativement peu de choses et c'est assez simple. Coucou Sylvie. Hâte de l'essayer, nous dit Karine. Vous allez voir. Alors, en plus, donc là... Donc, clairement, on est sur une carte qui fait vraiment vœux, d'autant qu'il y a le message ici, meilleurs vœux et une heureuse année. Donc, on est dans le thème, il n'y a pas de souci. Et pour autant, les papiers... Alors, Anita nous dit, j'ai pas reçu mon matériel, je le ferai après. Alors, Anita, tu peux tout faire. En fait, si c'est la perforatrice qui te manque, parce que c'est surtout ça qui donne quelque chose de particulier, tu pourras toujours le faire à la fin. Et puis poser le petit nœud. Mais donc, tu peux toujours faire toute la structure de la carte avec nous. Tu peux déjà commencer. C'est sûr, on regardera les petits papiers. Ben, j'espère bien, ils vous attendent les petits papiers. Ils travaillent dur pour vous proposer des jolis blocs hop. Donc, ça, c'est pour mercredi. On va parler encore de Noël, mais avec des couleurs qui sortent de l'ordinaire. On va sortir du rouge et du vert. Et on va vous proposer plein de projets autour de Noël, mais pas rouge et vert. Premier live aussi pour Nicole. Eh bien, bienvenue Nicole. On a plein de nouvelles, c'est génial. Margot nous dit aussi que c'est la première fois ici sur couleur papier. Sabrina. Alors, Sabrina est une habituée, donc coucou Sabrina. Et Edith, t'es en retard, mais à peine. Parce que j'ai juste montré le projet, remontré le projet. J'ai même pas encore parlé de dimension. Donc, tu vois, on se fait juste des coucous et se dit bonjour à toutes pour l'instant. Donc, voici notre carte. Alors, ce que je disais, c'est que bien que la carte soit très clairement autour de Noël, des vœux, on sent vraiment l'hiver avec cette jolie forêt de sapins, bien qu'on puisse l'utiliser aussi pour d'autres choses que pour des projets hivernaux et de vœux. Effectivement, ça s'y prête complètement, mais on peut faire d'autres choses avec. Mais vous allez voir, enfin, comme vous avez pu le voir déjà ici, ce ne sont pas des papiers qui sont spécifiques à Noël que j'ai utilisé, puisque là, c'était la collection Jardin d'Éden qui va rentrer, alors qu'on avait en avant-première, qu'on a déjà disponible
mais qui va rentrer dans le prochain catalogue printemps-été. Alors, Faustine nous dit, j'ai pas la perfo dans les sets de dye. Là, comme ça, je sais pas. Je peux pas te dire. Il faut regarder, effectivement, mais qu'il fasse vraiment une rangée. Là, pour l'instant, j'ai pas ça en tête. Merci Véro. Oui, je vais bien. Je vais bien. Sinon, ça peut être des découpes partielles. Forcément, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple avec la... Avec la perfo rangée de sapin, vous allez voir, c'est simple comme bonjour et c'est vraiment chouette. Et ce que j'aime en fait, c'est que justement, c'est pas spécifique à Noël, à machin. C'est quelque chose qui est extrêmement, enfin c'est une perforatrice qui est extrêmement polyvalente. Donc, je vous disais ici, j'avais utilisé... Alors, vous pouvez mettre une rangée d'autres choses, bien sûr. Faut trouver quelque chose qui fasse juste... une banderole, une rangée, vous allez voir quand on va l'utiliser. Mais sachant que, comme je le disais tout à l'heure, c'était Anita qui me disait qu'elle n'a pas encore reçu sa commande. Comme c'est quelque chose qui va venir à la fin, vous pouvez déjà préparer toute la structure et à la fin, soit attendre de recevoir votre perfo, soit de trouver quelque chose qui va pouvoir s'adapter. Vous aurez toujours la possibilité de fouiller dans vos trésors. Donc ici, c'était Jardin d'Eden, comme je vous le disais. Là, vous le savez, ce sont les fins de série. Donc, il y a plein de choses du catalogue automne-hiver qui ne sont déjà plus disponibles. Dans les papiers spéciaux. Bon, dans les papiers spéciaux, on va dire spécifiques. Allez, pour Noël et fin d'année, on n'a plus grand-chose qui soit disponible. Mais vous allez voir que ce que je vais faire... C'est avec des papiers qui sont là encore extrêmement polyvalents puisque je me suis servi des collections de papiers. Et là, ici, ce sont les neutres donc qui regroupent les couleurs de nos collections. Donc ici, j'ai pris les neutres et j'ai choisi deux papiers en coloris Merlot Magique. Vous savez que c'est une couleur que j'adore, ce beau rouge profond grenat. Donc j'ai pris deux motifs différents. Alors, si tu le fais avec Paisible Refuge, alors déjà, ils vont être beaucoup plus hauts. Donc, peut-être faire des découpes partielles ou couper le bas. Enfin, voilà. Mais en même temps, ça, même si on fait... Après, le truc, c'est qu'il va falloir le reproduire. Parce que avec la découpe de Paisible Refuge, ça ne fera pas toute la longueur de la carte. Donc, il va falloir faire une découpe partielle et redécouper après la suite. Donc... Donc, mais comme je disais, ça vient à la fin, donc vous aurez tout à fait la possibilité, quitte à ne faire qu'une seule rangée, enfin voilà, on aura tout à fait la possibilité. Donc moi j'ai choisi du Merlot Magique avec deux motifs différents. Et alors j'ai choisi, ici j'avais mis du papier or, le papier en métallisé brossé or, et j'ai pris le or le plus froid, vous voyez, c'est pas un or très jaune. Donc, c'est le type de papier doré que j'aime beaucoup. Et alors, sur cette version-ci, là, vous voyez simplement du papier blanc. En fait, c'est une petite nouveauté que je vous fais découvrir en avant-première qui va sortir dans le prochain catalogue printemps-été. Et regardez, si je le fais bouger, si je le fais prendre la lumière. Alors, ça s'appelle du papier nacre, qui est un peu différent de celui que l'on avait, que l'on a toujours d'ailleurs dans le catalogue. Mais vous voyez comment il prend la lumière, comment ça fait... des petits effets holographiques. Vous avez vu ça? Et donc, c'est ce papier-là que j'ai choisi pour donner la petite touche un peu festive. Je trouve que sur une carte de Noël, finalement, enfin, ou de fin d'année, on va dire, on peut utiliser à peu près toutes les couleurs que l'on veut. Dès lors qu'on ajoute un petit peu de doré ou un petit peu de paillettes ou un petit peu de trucs qui brillent, pof, ça fait l'affaire. Donc voilà, ce... Martine, on commence à peine, donc il n'y a pas de souci. Marie, c'est pareil. Alors Liliane, Faustine, il y a Liliane qui te donne plein de possibilités, sachant que ce que je disais, c'est qu'il faudra faire de la découpe partielle pour reporter la découpe et faire toute une banderole. Donc moi, voilà. Petite nouveauté qui sort dans le catalogue printemps-été qui arrive et que je vous montre en avant-première. Il est vraiment super joli. Alors, il nous faut, donc là pour les papiers, donc le papier qui va donner l'effet festif, l'effet un peu waouh,
et le papier, les papiers à motifs. Coucou Stéphanie, ça va bien et toi? Donc, pour les papiers à motifs et le papier effet festif, il vous faut 3 bandes qui mesurent 15,2, donc c'est 6 pouces, 15,2, toute la largeur. Il faut que ce soit un petit peu plus large que notre carte, sur 4 cm. Voilà, voilà. Donc là, il vous faut les 4 morceaux. Et il vous faut également un morceau de papier velin pour donner cet effet de transparence. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, le papier velin mesure 14,85 sur 7,5 de haut. Trop beau ce nouveau papier, nous dit Marie, qui est déjà convaincue manifestement. Donc voilà pour les petits morceaux. Alors, on a un... Et puis alors là, je ne vais pas pouvoir l'enlever. On a comme un troll qui commence à arriver. J'espère qu'il ne va pas être trop intrusif. Sinon, il va falloir que je trouve un moyen de l'éjecter. Mais là, je vais avoir du mal. Je ne sais pas si je peux. Non. Ok. Donc, et ensuite, il vous faut pour la base de la carte, un morceau qui mesure... 14,85, donc toujours la largeur de notre carte, sur 17 cm. Et on va commencer par faire les marquages et les découpes sur ce morceau. Donc, j'attrape mon massicot. Alors, toutes les mesures sont en centimètres, d'ailleurs c'est marqué à l'écran. Il y a juste... Là, pour les morceaux, où je vous ai dit que c'était, parce que c'est 15,2, donc c'est 6 pouces. C'est la largeur de nos papiers à motifs. Ou la moitié si vous prenez un papier qui est en 12 pouces par 12 pouces. Donc c'est pour ça que j'ai annoncé le 6 pouces, mais sinon, toutes les mesures ici sont en centimètres. C'est ça, on ne s'occupe pas des intrus. C'est tout à fait d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a fait passer pour nous mettre un message qui va à peu près rien dire, mais c'est pas grave. Donc, ici, on est à 14,85 par 17. Et alors, on va commencer sur le long côté. Hop, vous ne me voyez pas ici. Et je vais... Hop. Sur le long côté, donc le plus long côté à 17 cm, on va d'abord couper une petite bande de 2 cm. Hop là. Donc ça, on la garde et on la met de côté. Et ensuite, sur le reste, qui mesure donc 15 par 14,85, on va faire une ligne de marquage à 2 cm. Je vais le faire de l'autre côté, c'est beaucoup plus simple. Hop, comme ça, mon papier est mieux tenu. Donc, une ligne de marquage à 2 cm. Et une seconde à 12,5. On est toujours en centimètres. Hein. Donc 2 cm et 12,5 cm. Hop. Et on va replier en mettant les petits bourrelets à l'intérieur. Voilà. Et en fait, là, on a notre base de carte, puisque le petit rabat de 2 cm, c'est la mini pochette intérieure. Le rabat ici de 2,5 cm, c'est celui qui est en haut. Et la petite bande de 2 cm que l'on a coupée, c'est celle qui viendra se placer en bas. Avec notre papier velin qui viendra entre les deux. Et là, on a déjà toute notre base de cartes. Alors, parce que Liliane nous dit bravo pour le côté métrique. Très clairement, sur les cartes, j'utilise très majoritairement du 14,85. 14,85. Ah oui, non, alors c'est une erreur. Oui, 14,85. C'est 29,7 divisé par 2. Pardon, 14,85. Le format habituel
d'une carte. Donc la moitié d'une page à 4. Ce nouveau papier sera-t-il disponible à un moment ou juste pour les fêtes? Alors c'est pas pour les fêtes, c'est pour le prochain, c'est dans le prochain catalogue printemps-été. Donc il sera au moins là du 3 janvier jusque il est là jusqu'à quand le j'ai plus la date, ça doit être vers juillet. Oui, c'est ça. Donc du début janvier à fin juin, on va dire, ou tout début juillet. Donc voilà, ça c'est notre base de cartes. Ensuite, alors si vous n'avez pas la perfo sapin, pas de souci Marie-Laure. Si vous n'avez pas la perfo sapin, dans ce cas-là, il va vous falloir couper en plus des petites bandes de papier, c'est celles qui vont venir décorer ici et là, de 7 mm sur 14,85. Si vous avez la perforatrice, vous n'allez pas avoir besoin de ces petites bandes, parce qu'en fait, on va les créer avec notre perfo. Je vous montre comment ça fonctionne. C'est pas, y a pas de souci. Zazou, tu verras ça en replay. C'est vrai que c'est frustrant. Hein. Alors, je vous montre comment fonctionne la perforatrice. Déjà, on va mettre, en plus, en ayant pris 6 pouces, du coup, vous voyez, ça fait pile poil la largeur de ma perforatrice. Et donc, je vais mettre mon papier bien dans le fond de ma perfo. Je vais bien la centrer. Et je perfore. Qui veut dire que j'ai déjà une partie. Hop. 31 juin, c'est ça. Alors, c'est ce que je disais. Alors, le blanc simple en A4 est disponible en version épaisse. Le fin, ben, je crois qu'il a été dévalisé pendant la promotion de la mi-novembre. Et du coup, on attend le réapprovisionnement. Et vous savez qu'en ce moment, les réapprovisionnements, les transports sont toujours un peu compliqués. Cela dit, moi, sur des cartes, j'utilise toujours la version, enfin souvent, la version épaisse. Sauf s'il y a beaucoup d'épaisseur, s'il y a beaucoup de matage, etc. Dans ce cas-là, la version fine est suffisante. Là, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, c'est une seule épaisseur. Donc, je préfère utiliser la version épaisse du blanc. Donc, je vous montrais. Là, j'ai une première partie de mes petits sapins. Et ensuite, je vais vous montrer ça de près. Vous voyez que là, on a le dessin de chaque côté. On a le dessin de la découpe. Donc, je vais remettre mon papier à l'intérieur et je vais aligner ma découpe sur la silhouette de la découpe qui se trouve dans la perfo. Alors, je me mets à plat, sinon je risque de faire des bêtises. Donc, j'aligne tout bien. Et une fois que tout est bien aligné, je maintiens bien et je découpe à nouveau. Et vous voyez comment je fais la poursuite de ma découpe. Et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc là, hop, j'aligne mes petits sapins. Là. Une fois que j'ai tout bien aligné, je découpe et j'ai toute ma série de petits sapins. Je trouve que c'est beaucoup trop mignon. Et on pourrait même utiliser, alors je les ai mis les autres à la poubelle, mais on pourrait même utiliser les petites parties qui sont en négatif. Et en fait, c'est la petite bande qui reste en haut qui va nous servir ensuite à décorer notre carte. Alors là, moi, je suis pas complètement droit, donc j'irai la redécouper pour que ce soit bien droit. On va faire ça tout de suite. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver? Parce qu'il y a... Je vais prendre mon petit massicot. Sinon, là, je vais faire des bêtises. Hop.
Je vais voir si j'y arrive bien avec l'autre, parce que là, ça va être compliqué de le refaire bien droit. Donc là, hop, je vais faire la même chose avec mes deux autres morceaux. Donc je commence toujours en centrant bien au milieu. Je trouve que c'est vraiment, c'est ce que disait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, c'est vraiment trop mignon. La perfo, elle est là, elle est au catalogue annuel, donc elle est là au moins jusque à la fin juin. Donc pour l'instant, c'est en fait, en général, j'espère justement de... Et effectivement, c'est ce que nous disait Francine, le Covid nous aide pas pour les réapprovisionnements. Vous savez que, vous vous souvenez que notre papier, l'ensemble, s'appelait Murmure Blanc avant, parce que la société qui nous produisait le papier a simplement mis la clé sous la porte à cause de la crise du Covid. Donc malheureusement, donc là, j'aligne tout bien et... Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Elle est vraiment super mignonne, cette perfo. Voilà. Et je fais la même chose. Alors du coup, tu es en arrêt, Astrid? Ben oui, effectivement. C'est mignon, hein, Anita? Vraiment trop mignon. Et vous vous souvenez, dans la vidéo de la semaine dernière, dans le live de la semaine dernière, je vous avais mis le lien vers cette perforatrice. Et en fait, vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. On aligne simplement nos motifs. Je pense que je vais recouper des petites bandes, parce qu'à chaque fois je les fais pas droit. Est-ce que c'est le stress du live? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas complètement droit. J'avais réussi à bien les récupérer pour faire les petites bandes sur mon prototype, mais là, à chaque fois, c'est pas complètement droit. Donc ça va pas être joli si je mets ça comme ça. Donc je recouperai des petites bandes. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Hop. C'est de ce côté-ci. Donc là. Et voilà mes petits sapins. Alors, et là il y a Francine qui a des sueurs froides en disant zut zut zut, je l'avais pas acheté cet article là, il est trop mignon. Avec le papier velours blanc pour le centre, c'est-à-dire pour la petite bande qui sera au milieu, Anita, je ne suis pas sûre qu'il donne suffisamment de peps, j'ai envie de dire. Ça va être... je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose qui va prendre la lumière. Alors que le velours blanc, ben, au contraire, ça va absorber la lumière. Donc comme je vous disais, du coup, je vais me refaire une petite bande de 3 mm, 7 mm, pardon. Parce que je n'ai pas réussi à bien les faire propres. Donc ça ne me plaît pas. Donc je vais refaire... deux petites bandes de 7 mm, une dans mon papier à motif et l'autre, je ne sais pas si je la fais dans du papier à motif ou si je la fais dans le papier, est-ce que je l'ai mis? Hop. Voyons voir comment je fais ça. J'ai peur que ça ne ressorte pas assez, donc je vais le faire avec mon papier à motif. Donc voilà, si vous ne faites pas avec la perforatrice des petits sapins, qui normalement, si on le fait comment, la rangée de sapins mesure les plus grands sapins.
Ça fait grosso modo 1 cm. Est-ce que c'est ça? 1 cm et demi, ça me paraît beaucoup. Non, c'est plus que ça. C'est 2 cm et demi. Voilà, grosso modo, un tout petit peu plus de 2 cm et demi la rangée. Ça va être super joli avec ces tons-là, j'aime bien. Ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, on va s'occuper de nos petits sapins par la suite. On va commencer à monter. Alors, je suis en train... Ça simplifie l'utilisation. Je suis désolée, Liliane, je ne sais pas d'où ce que tu voulais dire ici. Donc voilà, pour Sabrina, 2,5 cm la hauteur des plus hauts sapins. Je remesure. Ouais, c'est ça, un petit peu plus de 2,5 cm, 2,6 grosso modo. Enfin, gros, dire grosso modo quand on donne une mesure aussi précise, c'est pas très très logique. Mais bon. Alors, ensuite, on a ça, on a ça. Il nous faut embosser. Donc ça, on va mettre joliment de côté. Je kiffe, nous dit Francine. On va embosser le panneau qui va faire le devant. C'est trop beau, hein, c'est joli, hein. J'adore. Je suis d'accord avec vous, j'adore. Là, je vais toutes mes petites... je vais mettre de côté. Mais c'est vrai que ces petites rangées de sapin. Et alors, en merlot magique comme ça, avec ce papier un peu holographique, etc. Je trouve que c'est super joli. J'adore. Ok, donc notre panneau de papier velin, donc pour l'effet de transparence, on va l'embosser. Si vous êtes... eh bien voilà, tu le finiras mercredi, Marie-Claude, il n'y a pas de problème. Parce que là, je les ai déjà préparés, parce que normalement, on récupère les bandes avec, mais on peut toujours couper les petites bandes de 7 mm, et du coup... on peut terminer la base de la carte et juste rajouter les petits sapins à la fin. Et Sabrina nous dit, il est magnifique, ce rouge est très classe. Je suis complètement d'accord, j'adore ce grenat, il est trop trop beau. Donc, j'attrape, attendez, je mets ça sur le côté, hop hop hop. D'ailleurs, j'aurai une autre petite nouveauté à vous faire découvrir tout à l'heure. Un peu de patience. Je vais aller ramener Marie-Daphné. Coucou la belle Marie-Daphné. Et donc, on va embosser notre papier velin. Je vais réutiliser le même classeur de gaufrage. Merci France, tu es vraiment mignonne, qui nous rejoint du Québec. Ça va être l'heure de déjeuner bientôt au Québec, je pense. C'est encore un petit peu tôt. Non, un petit peu tôt. Ah, c'est le matin. Donc j'ai utilisé ce set Mélodie Festive, enfin ce classeur de gaufrage. Je ne pensais pas que l'on pouvait embosser le papier velin. Oh si qu'on peut, et c'est super joli. C'est super joli, et alors là vous allez voir, en fait ça va faire ressortir des aspects blancs, un peu comme du pergamano, et c'est super beau. Alors moi ce que j'aime bien, c'est le mettre un tout petit peu en diagonale. Et alors par contre il faut faire attention à le mettre dans le bon sens. Alors, si vous n'êtes pas musicien, le moyen le plus simple pour savoir dans quel sens se mettent les portées, c'est de se repérer avec la clé de sol qui est sur le côté. Et donc, la clé de sol pour qu'elle soit dans le bon sens, comme ceci. Et donc, moi, j'aime bien le mettre un tout petit peu en diagonale. Hop. Voilà, que ce ne soit pas complètement droit. En plus, si on cherche à le mettre droit et que c'est un tout petit peu de travers, après, on ne voit que ça. Il est très très beau, hein, ce classeur de gaufrage. Et alors la bonne nouvelle, c'est que bien qu'il s'appelle Mélodie Festive, il reste au catalogue. Et donc on l'a encore pendant au moins un an. Donc ça c'est génial. Et on va utiliser la plaque grise qu'on appelle spécialité, qui est faite exprès pour aller avec ces classeurs de gaufrage 3D. Et vous allez voir, ça sans forcer. Si vous n'avez pas Marie-Daphné, que vous avez une Big Shot, par exemple, qu'on trouve quand même encore beaucoup dans les ateliers des scrapeuses, vous pouvez tout à fait
prendre la plaque spécialité. Elle s'adaptera tout à fait à votre Big Shot. Et vous voyez, sans forcer, ça passe tout seul. Ça passe crème, comme on dit. Enfin, paraît que même les jeunes, ils disent plus ça passe crème. Mais bon. Et alors, regardez comme ça fait quelque chose de joli. Vous avez vu ça un peu comme les notes. Enfin, ça se met dans l'autre sens pour avoir les petites clés de sol dans le bon sens. Et ça fait ça blanchit l'embossage et c'est super joli. Pas de soucis, Nanou, il y a toujours le replay. Je vous mets l'eau à la bouche avec les nouveautés. Je sais, je sais, je suis un peu coquine. Hop. Voilà. Donc, on a notre joli papier velin embossé avec nos notes, avec nos portées de musique, enfin notre partition. Vous voyez, si je le mets sur du papier de couleur dessous, comment ça ressort, comment c'est joli. Trop beau. Coucou Marie-Christine. Donc, on va reprendre nos éléments. Et on va commencer par mettre, donc normalement, si vous avez tout bien coupé, donc vous avez vos 14,85 qui était la largeur de votre carte, 14,85 qui était la largeur de votre papier velin, donc forcément l'un va, ils vont complètement s'aligner l'un sur l'autre. Et on va commencer par, c'est beau hein, je vois des magnifiques, des waouh, on va commencer par mettre une petite rangée. Bien droit, une petite rangée d'adhésif double face. Hop. Juste, donc vous vous souvenez, en bas on a 2 cm, en haut on a 2,5 cm. Alors oui, tout à fait, je suis en train de lire et d'essayer de... Je ne comprenais pas. Pardon Sabrina. Oui, tout à fait, si vous avez un classeur de gaufrage avec des flocons, ça marche très très bien. On peut le faire aussi avec le classeur de gaufrage avec les effets de sapin qui pourrait donner un autre effet de sapin en arrière-plan qui pourrait être très joli aussi. Donc sur la partie qui fait 2,5 cm, donc la plus large, on va mettre une bande d'adhésif double face juste à la lisière de ce rabat. Hop, juste au bord. Et on va coller notre papier velin. Donc on fait toujours attention à ce que les clés soient dans le bon sens. Et on va coller notre papier velin juste au bord. Sur l'adhésif double face. Et Astrid nous dit, je suis contente de l'avoir pris ce classeur de gaufrage. C'est vrai qu'il est beau et en plus ça sert tout le temps. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais, ça a beau s'appeler Mélodie Festive pour des anniversaires. Un petit gaufrage avec l'effet note de musique, c'est super joli aussi. Donc ça, là encore, c'est quelque chose qui peut être extrêmement polyvalent. Alors en plus, si vous avez des mélomanes dans la famille, ça marche à tous les coups. Alors, Emma, Marie-Ange, vas-y. Si tu aurais préféré, si tu aurais davantage plu avec la portée droite, vas-y. Fais-le comme tu en as envie. Ensuite, vous vous souvenez qu'on a cette petite bande de 2 cm. Alors moi, ce que j'aime bien faire, vous pouvez aussi utiliser des trombones. Moi, j'aime bien utiliser de la pâte à fixe. Et en fait, je vais maintenir... Alors, j'ai jamais, on nous donne jamais le grammage exact du velin. Et là, je ne l'ai plus en tête. Je crois que c'est quelque chose comme 160. Mais je vous dis ça de... Et en fait, c'est écrit nulle part. Merci Marie-Christine qui est en train de faire un petit appel au pouce en l'air.
Et donc, vous avez vu, j'ai mis 3 petites pastilles de pâte à fixe. Et je vais placer cette bande sur la bande du bas. En fait, où elle va se retrouver à la fin. Ah, c'est la musicienne qui parle, Marie-Ange. Je comprends, effectivement. Du coup, lire les portées un peu la tête en travers, ça marche moins bien. Donc, une fois qu'on a ça, donc vous voyez, là, j'ai mis ma bande là où elle va se retrouver à la fin. Alors, déjà, on ne le voit pas beaucoup, mais en plus, on ne le verra plus du tout, parce que là, c'est pas même si on ne voit pas trop l'adhésif double face, ça, c'est pas très joli. Et donc, en fait, on va recouvrir cette partie-là avec la petite bande que l'on a coupée de 7 mm. Donc, en fait, ça ne se verra même plus du tout. Simone nous dit qu'elle a abusé de ce classeur de gaufrage avec ses amis musicos. Donc, on va... Et du coup, on va faire la même chose en bas. C'est-à-dire qu'on va placer, là encore, une bande. Donc, je vous rappelle, j'ai placé la petite bande de 2 cm sur le rabat du bas. Et on va aller placer, là encore... une bande d'adhésif double face. Cette fois-ci, on va la mettre directement sur la partie velin qu'on a embossée. Très clairement, je trouve que c'est le genre de classeur de gaufrage qu'on devrait toujours avoir. Parce qu'on en a toujours besoin des notes de musique comme ça, des portées. Je trouve que c'est tellement joli. Hop. Donc là, j'ai mis la bande d'adhésif double face au bas de mon morceau de velin. Je découvre l'adhésif et comme... Oh zut! Marie-Claude qui s'est trompée. Ah, pourtant il n'y a pas beaucoup de découpes à faire. Donc une fois que j'ai ma bande du bas qui est maintenue en place. Comme je vous le disais, vous pourriez le faire aussi avec un trombone que vous mettriez sur le bas de la carte, par exemple. Je trouve que c'est avec de la pâte à fixe, c'est vraiment simple. Et ensuite, hop, on va ramener... Bonjour Christelle et bienvenue, puisque tu as une petite nouvelle. Enchantée de t'avoir avec nous. Donc là, je vais pouvoir enlever ma pâte à fixe. Parce que du coup, j'ai reconstitué le devant. Alors, il est dans le catalogue automne-hiver. Mais il reste... Je vais pouvoir te dire, bouge pas. Hop, hop, hop. Voilà, il est là. C'est l'article 156-392. Il doit être à 12 euros, si je me souviens bien. Et il est dans le catalogue automne-hiver, mais il reste... par la suite, donc on le garde avec nous. Et ça, c'est top. Voilà, c'est l'article 156-392. Et donc, vous voyez qu'on a reconstitué le devant de notre carte. Et on peut l'ouvrir maintenant. Et avec les petites bandes de 7 mm, là encore, je vais mettre de l'adhésif double face sur chacune, ça fourche, sur chacune de ces petites bandes. Et on va en coller une ici, on ajustera juste au bout. Et la seconde va pas venir ici, parce que là, ça sera nos petits sapins. Elle va venir habiller, hop, le haut du rabat. Et Faustine confirme que c'est bien à 12 euros. Je vous ai dit tout ça de mémoire, hein. Trop forte. Alors, ce que je vais faire, là encore, parce que ça fait partie de mes petites manies, vous le savez, je vais d'abord ajuster la longueur et je vais mettre en couleur la tranche de mes papiers parce que je trouve que j'aime pas trop quand on voit le blanc comme ça. Je trouve que ça fait pas fini. Donc, hop, je vais ajuster la longueur de mes petites bandes décoratives. La seconde également. Marie nous dit qu'elle fait une pause cloche. Une pause cloche ou une pause
cloche. Il n'y a que les petits papiers qui pourront comprendre. Parce qu'en fait, on fait un petit échange, enfin un petit échange, un gros échange, un échange secret. Et on va utiliser les dômes cloches. C'était la consigne. Voilà, effectivement, comme dit Astrid, ce classeur de gaufrage, il fait partie des classiques, comme Very Versailles. On en aura toujours, toujours besoin. D'ailleurs, je pense, parce qu'on a une petite nouveauté qui me fait penser un peu à Very Versailles, donc que j'aime beaucoup. Mais je me demande si ça ne va pas le remplacer. Déjà l'an dernier, je vous avais dit, j'ai peur qu'il parte. Il était resté. Alléluia, j'étais trop contente. Est-ce qu'il va rester cette année? Mystère et boule de gomme pour l'instant. Alors Marie-Josée, je ne crois pas. Pour autant que je me souvienne, j'ai tout vérifié. C'est dommage, j'avais une liste et puis je l'ai mise de côté. Pour moi, les trois classeurs de gaufrage du catalogue automne-hiver restent dans le nouveau catalogue. Donc il y a celui-ci, il y a celui avec les écritures abîmées. Et le troisième, c'est... Je sais plus, mais je sais qu'il y en a trois. Et je m'étais dit, il reste tous les trois, c'est top. Donc voilà, ça fait partie de mes petites manies, ça vous me connaissez. Enfin, pour les nouvelles, vous ne le saviez pas, mais voilà, je vous l'apprends, ça fait partie de mes petites manies. Je trouve que c'est tellement plus propre, tellement plus joli. Et donc, avec mon adhésif double face... Donc clairement, la mesure de 7 mm n'est pas complètement au hasard. C'est parce que c'est juste la largeur de notre adhésif double face. Voilà. Et pareil sur la seconde. Qui est en train de faire le projet avec nous en live, quitte à mettre autre chose à la place des petits sapins si vous ne les avez pas. Dites-moi qui est en train de réaliser le projet. Là. Je suis quasiment sûre, hein, Marie-Jo, qu'il est... Alors, je peux pas vérifier parce que là, j'ai mon téléphone qui est au-dessus et mon iPad qui est juste en face. Mais je suis quasiment sûre que les trois sont reviennent en janvier. Donc ici, une bande qui va venir cacher ici la jonction. Je vais mettre ça dessous. C'est un petit truc aussi, vous voyez, quand on est blanc sur blanc, on ne voit rien du tout. Alors que si on met un papier de couleur dessous, du coup, je peux parfaitement aligner ma bande. Est-ce que cette carte fait partie du dernier... Est-ce que cette carte fait partie du dernier live boîte? Je suis désolée, Anne, je ne comprends pas la question. Alors, Faustine est en train de le faire. Simone en mystérieuse brume, ça doit être joli aussi. Moi, alors, Régine nous dit, moi, mais je rame un peu. Alors, dis-nous tout si... Et c'est bois d'arbre, voilà. C'est la troisième, c'est bois d'arbre que j'ai cherché et qui reste aussi. Moi, mais sans la perfo, nous dit... avec un petit die de Maison Noël. Oh, ça doit être mignon. Ça va être très mignon, même si ce n'est pas du stamping up. Grégoire nous dit je préfère la faire plus tard, aucun problème. Et Francine nous confirme que les trois classeurs reviennent. C'est donc ce que je disais. Voilà. Et puis ici, on va le mettre en bordure. La deuxième petite bande, on va la mettre en bordure du rabat. Et Nicole nous dit je le ferai plus tard parce que je ne veux pas perdre une minute des explications. Une miette des explications. T'es trop mignonne. Voilà, et puis là, bien au bord. Hop. En bordure du petit rabat. Il y a Patou qui vient de voir le gaufrage et qui trouve que c'est très joli aussi. Hop.
Alors, pour fermer la petite pochette, on va faire extrêmement simple. On va juste mettre, en replay pour toi, Patou, pas de souci. On va juste mettre deux petits mini points de colle ici dans les angles et hop, on va refermer. Donc, vous voyez, rien de plus simple. Carole qui dit, j'ai besoin de comprendre pour faire, donc je ne gâche pas de papier. C'est tout à fait à ton honneur, il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, un petit mini point de colle, un à droite, un à gauche, dans l'angle. Et hop, on a notre petite pochette. Vous voyez que on est ensemble depuis même pas 50 minutes, la carte est quasiment finie. Donc on a ça, donc si on veut la mettre en forme ici, hop, ça tient comme ça. Et on n'a plus qu'à ajouter nos petits sapins. Donc je viens les rechercher. Enfin non, on n'a pas que ça, on a les petits messages ici à mettre. Et rajouter quelques petits bijoux, parce que tout de suite je trouve que ça donne un petit truc en plus d'avoir des petits bijoux. Et comme je vous disais, et puis le nœud évidemment, j'allais oublier le nœud à la fourchette. Donc Astrid, tu es en train de le faire, tu n'aurais plus qu'à ajouter les petits sapins. Parfait. Oh, ça c'est très triste, le petit fils qui est malade de Marie-Hélène. On lui fait plein de bisous qui guérissent Marie-Hélène. Marie-Madeleine, pardon. Liliane, elle prend des notes, carrément. Waouh, bonne élève. Alors pour les petits sapins, on va reprendre, ils sont là. Nos mini points de colle. Alors tu vois Marie-Claude, c'est ce que je disais, hein, elle est vraiment pas compliquée à faire cette carte en fait. Elle a beaucoup d'effets, elle a plein de petits trucs avec la petite pochette à l'intérieur, etc. Mais très clairement, pas compliquée du tout à faire. Donc je vous disais, je reprends mes mini points de colle et on va assembler nos sapins. Donc on va se mettre bien en bas de la bordure et on va mettre les mini points de colle, on va les mettre au bas d'un sapin sur deux. C'est pas la peine d'en mettre au bas de chaque sapin, ça serait trop, ça serait pas nécessaire. Donc au bas d'un sapin sur deux. Hop. Et on va aller coller la seconde bande. La longueur de la carte finie, c'est vraiment, une fois finie, elle fait la même taille, c'est la taille la plus traditionnelle, c'est-à-dire 10,5, pas 14,85. Vraiment rien d'extraordinaire. J'ai un petit morceau qui dépasse. Hop. Voilà. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus traditionnel. 14,85 en largeur sur 10,5 en hauteur. La moitié d'une page à 4 pliée en deux. Sauf que nous, ben on a un petit peu joué avec tout ça, puisqu'en fait, on l'a fait en plusieurs parties. Suzanne qui dit qu'elle m'envie d'arriver à faire la carte, à parler et à réaliser la carte en même temps. C'est ce que je disais, elle n'est vraiment pas compliquée en fait à faire cette carte. Donc ensuite, au milieu, je vais mettre mes petits sapins avec mon effet holographique, mais je vais la décaler un tout petit peu pour qu'on puisse voir tous mes sapins. Et alors je vais les décaler sur l'horizontale, mais je vais également la descendre vers le bas. C'est-à-dire que, hop, on va faire quelque chose qui serait par exemple comme ça. J'arrive pas à le mettre. Voilà. Il se peut qu'il y ait des petits points de colle qui sortent. C'est pas grave, puisque de toute façon, il va y avoir. Et en plus, je lis les commentaires. C'est vrai. Oh, Sylvie, toi aussi, on te fait des bisous qui guérissent. Sylvie qui est souffrante. Ha ha ha.
Marie-Claude qui nous dit « Plus jeune, j'arrivais à faire plusieurs choses à la fois. Maintenant, je ne peux plus. » Alors, là, j'en ai collé deux et on va coller la troisième bande. Donc, comme je vous disais, là, vous voyez, par exemple, j'ai un mini point de colle qui dépasse. Mais ce n'est pas grave puisque en fait, je vais poser ma troisième bande et ça viendra couvrir les morceaux qui dépassent. Donc là, je regarde comment ça va se placer. Et je vois que mes mini points de colle, c'est plutôt entre les sapins qu'il faut que je les mette. Donc, hop, je reprends mes mini points de colle et je place toujours un sapin sur deux. C'est pas la peine d'en mettre partout. Ça tiendra largement suffisamment. Et un petit dernier au bout pour coller ma troisième bande de sapin. On décale toujours vers le bas pour donner cet effet de forêt bien touffue. Jolie cette forêt, c'est joli, hein. Et en fait, on va pouvoir ensuite coller notre forêt sur le bas de notre... ça va couvrir en fait la jonction ici qui n'est pas jolie. Et donc, on va poser de l'adhésif double face ici et venir poser notre forêt de sapin par-dessus. On va venir ajuster sur les côtés. Exactement. Sur la verticale et sur l'horizontale pour donner cet effet. D'ailleurs, je les avais davantage décalés sur ma forêt verte. Peut-être essayer de les décaler encore un petit peu pour qu'on les voit mieux. En faisant glisser un petit peu mes mini points de colle. Voilà. Donc, je disais, je ne sais pas si je le mets... Comment j'avais fait? Je ne sais même plus, j'ai déjà oublié. Je ne sais plus si je l'avais... Non, j'ai mis avec ça, c'est ce que j'avais dit. Donc, on va remettre, hop, une rangée d'adhésif double face sur le bas du panneau en velin. C'est joli, hein, ces petits sapins. Je suis d'accord avec vous, j'adore. J'adore aussi. Très simple, finalement. Mais toujours avec une petite touche élégante et tout. Et puis on vient poser la petite rangée de sapin pour que ça couvre la jonction. Voilà. Et puis après, j'ai plus qu'à prendre mes ciseaux. Je vais prendre mes grands ciseaux pour couper les morceaux qui dépassent sur. Et il y a Francine qui est en train de nous dire « C'est beau !» Et hop, un petit coup de ciseau, si le haut de ma carte ne me gêne pas, pour tout bien aligner. Et avec ce rouge merlot magique, je trouve que c'est très très beau. Et voilà, on a tous nos petits sapins. Il nous reste les messages, les petits points de décoration et le petit nœud à la fourchette pour faire une bonne mesure. Alors, on va commencer par le message. On aurait pu le faire avant, mais il n'y a pas de moment. Voilà, on est toujours bien. Alors, attendez, il est là. Voilà, j'étais en train de chercher. Mon Stamparatus, sachant que je vais le faire avec mon Stamparatus parce que je le fais à la fin, ça m'embêterait un petit peu de tout gâcher parce que j'aurais pas fait les choses correctement. Donc je préfère l'aligner correctement avec mon Stamparatus. Le vernis à ongles est assorti? Non, il est un petit peu plus rouge en fait. Il est moins grenat. Petite faute de goût sur ce coup-là.
Alors, du coup, on va mettre mon Stamparatus, ma carte dans mon Stamparatus. Je maintiens tout bien pour que ça reste bien en place. Et donc, ce que je vais faire, allez, viens là. Donc là, j'ai nos meilleurs vœux et j'ai le une heureuse année. Alors, ces messages-là sont issus de ce set vœux sincères. Donc, il n'y a que des messages avec joyeuse fête, joyeux Noël, du fond du cœur, immense gratitude, santé. J'aime bien le santé, c'est plutôt sympa. Wiss pour notre unique and international Sophie. Waouh! Merci Francine. Coucou Valérie. Donc voilà, et celui-ci par contre, il s'en va du catalogue. J'ai vérifié, pour autant, il est encore là et en plus, il a une réduction. Je vous dis ça de mémoire, mais je crois qu'il est à 17,50 au lieu de 22, quelque chose comme ça. Là, je n'ai plus exactement les prix en tête, mais voilà, il est là, il vit ses derniers instants. Le code, c'est le 156-444. Et lui, voilà, il n'en a plus pour très longtemps. Donc moi, j'ai choisi, pas les grands messages, mais le « Nos meilleurs voeux et une année heureuse » et une heureuse année, par contre, en revanche. Mais on peut mélanger, en fait, tous les messages. C'est « Nos meilleurs voeux de notre famille à la vôtre ». Enfin, voilà, on peut mélanger les messages et je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, je vais aller chercher mon merlot magique, évidemment, pour tout assortir. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre « Nos meilleurs voeux » et une heureuse année. On va essayer de centrer ça correctement. Et en fait, pour combler les côtés, c'est ce que j'avais fait ici, je vais retamponner comme si le message revenait plusieurs fois. Donc, on va mettre ça ici. Celui-là, on le mettra ensuite. Hop. Donc, en merlot magique, pour que ce soit tout bien assorti. Surtout quand on tamponne comme ça à la fin, c'est quand même très appréciable d'utiliser le Stamparatus et d'être sûr de ne pas faire de bêtises qui gâcheraient tout notre travail. Hop. Ensuite, je vais venir chercher et une heureuse année. Celui-là, il est magnifique ce message, je suis tout à fait d'accord, Patou. Très joli. Une très jolie calligraphie. Enfin, vraiment, c'est un joli set de messages, je trouve. Voilà. Et puis, je vais revenir. Alors, par contre, je vais décaler un petit peu par ici. Je suis tout à fait d'accord, Liliane. On peut tout à fait l'utiliser pour plein d'autres occasions que seulement les fêtes de fin d'année. Et là, il y a Marie-Ange qui prend peur. Il dit, oh là là, moi, j'aurais tamponné avant. Alors, nos meilleurs voeux, il est ici. Avec le Stamparatus, on ne prend pas trop de risques. Hein. Là, je vais mettre un petit espace parce que comme je l'avais fait ici, je mettrai un petit bijou à chaque répétition des messages. Là, et de l'autre côté... Là, je redécale cette fois-ci par là. Elle te plaît la carte, Dominique? J'en suis ravie. Et voilà, on va remettre la fin du message et une heureuse année
pour donner l'impression. Vous savez, c'est un peu comme les messages défilants. Voilà. Nos meilleurs vœux et une nouvelle année. Nos meilleurs vœux et une nouvelle année qui défilent. C'est pour donner un peu cette impression-là, en fait. Et là, je retamponne la fin. Et voilà. Et comme d'habitude, avec Stamping Up, tout est assorti. On a ce joli merlot magique qu'on retrouve aussi bien tamponné que dans les papiers à motif. Et voilà, voilà. Ok. Et donc maintenant, j'ai quasiment fini. Je crois que j'ai jamais été aussi rapide en live, dites donc. Alors, Butterfly nous dit qu'elle regarde les lives ou les replays en repassant. Et alors ça, je peux comprendre parce que repasser, qu'est-ce que c'est pénible si on ne fait que ça. Alors, il nous reste un petit ruban, un petit neuneu à mettre en bas. Alors, ce joli ruban doré, il n'y en a déjà plus. Mais il reviendra dans le prochain catalogue automne-hiver. Donc là, il est là. Et celui-ci, je me suis dit que là, j'allais utiliser surtout avec l'effet du papier que je vous ai montré qui fait partie des nouveautés. Je me suis dit que j'allais mettre ce petit ruban-là d'organza avec l'effet pailleté. D'autant que les paillettes sont holographiques et vont du rose au vert. Donc avec l'effet rose, je trouvais que c'était plutôt joli. Et alors Marie-Ange nous dit qu'elle aime bien l'idée du message qui défile. Alors, j'espère que c'est parce qu'il n'y avait pas de problème que tu n'arrivais plus à nous suivre, Dominique, mais ça fait très plaisir de vous retrouver. Alors, un petit doigt à la fourchette. Je ne l'ai même pas préparé en avance pour avoir le plaisir de le faire avec vous. Je sais que vous êtes très nombreuses à regarder, à voir la vidéo du petit nœud à la fourchette dans vos favoris pour pouvoir le refaire. Et Francine nous dit, moi, je ne risquerai pas de regarder les lives pendant que je repassage. Pendant que je refais mon repassage, je risquerai de brûler mon linge. C'est vrai que c'est un risque. J'avoue, il y a un risque. Hop. Le petit nœud à la fourchette. Et en fait, pour que... Alors, je vais voir comment ça se passe, parce que là, il est très transparent, mais je pense que je vais pouvoir le faire de la même façon. Donc, vous le savez, hein, le secret du petit nœud à la fourchette, c'est qu'il faut bien, bien, bien serrer. Sinon, ça ne marche pas. Donc, là, hop, hop, c'est même pas nécessaire. Sur celui-ci, j'avais mis un petit... Ah ben non, je ne l'ai pas fait. Alors, je voulais le faire, mais non, je ne l'ai pas fait. Bon, ben voilà. Si votre nœud ne se tient pas bien droit, parce que là, on veut que les pans du nœud ne redescendent pas vers le bas, mais reste bien à l'horizontale, vous avez toujours la possibilité de mettre un petit mini point de colle sous les boucles du nœud et pour les attacher avec les pans du ruban pour que ça reste bien à l'horizontale. Alors, hop, on va découper les pans de notre ruban en queue d'hirondelle. Donc pour ça, on le plie en deux et on coupe en diagonale, la même chose de l'autre côté, hop. Je trouve que c'est un petit peu long. Astrid nous dit, j'utilise très souvent la vidéo du petit nœud à la fourchette. Je te rassure Astrid, tu n'es pas la seule. Il y a plein de filles dans l'équipe des petits papiers qui me disent les vues sur la vidéo du nœud à la fourchette, c'est moi. Et Marie nous dit, je sais le faire sans la vidéo maintenant. Très fière de toi Marie, bravo. Au bout d'un moment, ça finit par arriver. Hein. Voilà, je suis juste en train de réajuster les pans de mon ruban. Ouh, j'aime bien.
Alors, Nicole nous dit qu'elle utilise un peigne à quilling pour ses nœuds. Comme ça, elle a plusieurs dimensions. Alors, en fait, moi, j'utilise sincèrement ma fourchette. C'est vraiment, le plus souvent, c'est la taille de nœud dont j'ai besoin. Mais j'ai aussi, je vous l'ai déjà montré, un peigne africain en bambou. Et du coup, comme ça, j'ai plein de... Je vais rarement faire des nœuds plus grands. Donc, ça, c'est nickel. J'utilise les deux. Ça, c'est fait. Ici, je vais coller... mon petit nœud, je vais juste essayer de le coller à peu près centré. Bim, j'ai fait tomber ma règle. Hop. Du coup, Marité nous dit qu'elle sait aussi les faire et qu'elle les apprend aux autres maintenant. Voilà, on fait passer le choix du nœud est parfait, nous dit Astrid. Merci. Donc là, hop, je fais un petit repère. Donc 10, non 14,85. Hop. Ici. Alors sur les petits nœuds, comme il y a du volume, j'aime bien mettre deux mini points de colle, histoire de faire bonne mesure. Et voilà. Et alors pour les bijoux, pour les petits bijoux qui vont donner la petite note en plus, c'est aussi vraiment très élégant, nous dit Marie-Claude. C'est vrai que j'aime bien, j'avoue, ça me plaît. Et Simone nous dit, j'utilise aussi beaucoup la vidéo des petits nœuds. Et voilà, Simone, Nicole nous dit qu'effectivement le peigne africain, ça va avoir cette même utilisation pour faire nos petits nœuds. Donc, il nous manque les petits bijoux. Et comme je vous le disais, j'ai une petite nouveauté, là encore, à vous montrer. Et vous allez voir, je suis sûre que ça va être nickel chrome avec cette version-là. Donc là, j'avais utilisé les gemmes dorées, qui sont très très beaux. C'est des super bijoux qui sont vraiment dorés, mais sans être clinquants. Je les trouve très très beaux. Ils font très précieux. Et alors là, tadam ! Roulement de tambour. Voilà les bijoux que je vais utiliser. Donc on va retrouver cet effet holographique. Donc ce sont des cristaux du Rhin qu'on a déjà en version diamant. Là c'est le même principe d'ailleurs avec ces bijoux à facettes, sauf que là on va avoir cet effet holographique exactement comme sur le ruban d'ailleurs, avec des effets parfois vert, parfois rose. Et il faut avouer qu'ils sont vraiment super beaux. Vous avez vu comment ça change de couleur? Là, on est sur du jaune rosé et hop, là, on est sur du bleu vert. C'est génial, non? J'adore. Je pourrais jouer avec la lumière comme ça pendant des heures. Tellement, je trouve ça beau. Et alors, on va placer hop, nos petits bijoux. Donc, je vais mettre des plus petits ici en haut pour séparer mes messages. Donc, sur la plaque, vous avez trois dimensions différentes. Donc, ça... Pour l'instant, c'est comme le papier que je vous ai montré tout à l'heure. Le papier nacre que je vous ai montré. Ça, c'est la même chose. Ça va arriver dans le nouveau catalogue printemps-été. Donc, à partir du 3 janvier. Et puis, on va mettre quelques... Donc, je vous disais, il y a trois dimensions. Des grands, des moyens, des petits. Donc, on va aller en mettre un petit peu partout. Un peu de toutes les tailles pour varier les plaisirs. Là, j'ai vu qu'il y avait une petite tache, donc hop, sur mon papier velin. Donc, on va la cacher. Astrid confirme, oui, tous les bijoux de Stamping Up sont superbes. Et Francine dit, oui, on compte sur toi pour faire bonne mesure. Hop. Ici. Et Nicole qui nous dit, on les porterait presque en sautoir. J'avoue. J'avoue, on aimerait bien avoir les petites boucles d'oreilles, les petits clous. Ici. Allez, un petit dernier par là. Je vais en mettre un petit. Et voilà. Je trouve que c'est trop joli. On est comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je me dis que je suis très fière de moi.
Donc on a deux versions extrêmement différentes. Vous voyez tous les... Alors, attendez, hop. Vous avez vu comment ça prend la lumière. En fait, ça amène une petite touche festive. Ça fait le petit truc qui va faire que c'est élégant sans en faire trop, sans écraser tout le reste. Et Marie-Claude nous dit, je sens que la liste va encore être longue avec le nouveau catalogue. Eh ouais. Véro qui nous dit que la carte est superbe, très classe. Merci Véro. Le ruban est utilisé, celui du catalogue juillet-décembre. Oui, mais qui reste au catalogue en fait. Donc il n'est pas épuisé. À partir de janvier, il ne s'en va pas, on le garde. Donc c'est le ruban d'organza pailleté qui existe aussi en noir. Et le noir reste aussi au catalogue. Et si vous le recherchez, c'est la référence 156-408. aussi bien Simone, Nicole qu'Astrid qui me disent « C'est vrai, tu peux être fière de toi. » Merci, vous êtes adorables. Donc voilà, les deux versions. Et très clairement, j'aime bien les deux en fait. J'aime beaucoup les deux. Oh, je sens que ce prochain catalogue va encore faire chauffer la CB, nous dit Suzanne. Et Francine nous dit, nous aussi, on est fiers de toi. Mais vous êtes vraiment trop mignonne, hein? Vous le savez? Et effectivement, Marie-Claude confirme exactement, élégant, mais pas clinquant. Et puis, y a la CB d'Astrid qui commence déjà à avoir des sueurs chaudes. Existe-t-il d'autres perfos bandes chez Stamping Up? Alors, qu'ils fassent vraiment des bandes comme ça en ce moment, non. On en a une qui fait des petites branchettes qu'on va pouvoir faire. Tenez, je vais vous la montrer. Hop. Là, cet hiver, on avait celle-ci avec le hou. Et alors, en fait, ça, vous allez pouvoir les utiliser. Je vais vous montrer. Je vais sortir hop, un petit peu de papier. Cela dit, cette couleur-là, vous n'allez pas voir dessus. C'est un peu ballot. Hop là, voilà. Je vais vous sortir un petit morceau de papier. Et Fabienne qui me dit, ça fait... Oh, vous écrivez trop, j'arrive pas à tout lire. Alors, attends. Alors, voilà, j'en étais... Grégoire qui nous pose la question... à savoir s'il y a d'autres. Donc je vais couper des bandes de 2 pouces, 5 cm. Il va falloir que je revienne en arrière pour voir vos messages. Hop là. Et en fait, alors on va pas forcément avoir ça, mais on va pouvoir faire des bordures sur nos papiers. C'est-à-dire que si. Ah, et si j'ouvre pas la perfo, ça va moins bien marcher. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc déjà, on va pouvoir utiliser les petites branchettes qui sont super mignonnes. Mais ensuite, là, toujours en se guidant sur les dessins qu'il y a sur le fond de la perfo, on va pouvoir ajourer, hop, faire une bande ajourée comme ceci. Voilà, on a celle-ci. Donc, on va pouvoir utiliser les petits morceaux, mais on n'a pas réellement une bande qui va se former. Donc, ça, c'est pour la perforatrice, je crois qu'elle s'appelle branchette. Et on va pouvoir faire la même chose. Alors, celle-ci, elle était dans le catalogue automne-hiver. Je ne sais pas où est-ce qu'elle en est, parce qu'elle est dans les fins de série aussi. Et en fait, ça va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les petits morceaux ou on va pouvoir ajourer, faire toute une bande... ajourer sur le bas d'une sur le bas ou le côté d'une carte. Ça fait vraiment une très jolie bordure celle-ci. Donc là on a tous les petits morceaux qu'on va pouvoir utiliser. Hop. Et de la même façon, vous voyez, la bordure que ça fait, c'est vraiment extrêmement joli. J'ai pas eu le temps de les utiliser, mais vous voyez que ça fait vraiment quelque chose de super joli. Donc voilà, en ce moment, on a ces deux-là. Alors, ça ne fait pas réellement des banderoles comme ça.
On a des petits éléments qu'on va pouvoir utiliser et on a des bordures ajourées qu'on va pouvoir mettre. Je trouve que déjà comme ça, ça fait super joli. Celle avec le hou, là, ça fait un truc super mignon. Alors, je reprends tous vos messages. Simple et très festif, bel effet, nous dit Anita. L'élégance est de mise sur cette création magnifique. Toujours très classe, merci Sophie, grand bravo, nous dit Marie. Superbe carte, plein de jolis compliments. C'est magnifique en merlot magique, nous dit Marie-Josée. J'aime, hop là, j'ai perdu. J'aime beaucoup les deux versions, ça c'est Liliane. Plein de jolis messages, vous êtes vraiment très mignonne. Marie nous dit, je ne sais pas laquelle je préfère, je ferai probablement les deux. Alors, ce n'est pas du cerise carmin, c'est du merlot magique, Faustine. Le cerise carmin est plus un bordeaux, alors que là, on est sur un grenat. Nicole nous dit, ne nous demandez pas de choisir, ça serait trop dur. J'avoue. Alors, attends, j'essaye de retrouver... Je vais avoir tous vos messages, vous êtes vraiment mignonne. Francine qui dit, ah non Sophie, j'ai pas acheté la perfo ou non plus. Et là je sens qu'elle s'arrache les cheveux, notre Francine. J'ai celle au ou mais pas encore en service. La démo va m'être utile. Voilà Astrid, tu vois, ça fait une jolie, des jolies bordures. Hein. Alors Marité nous dit qu'elle adore la carte. Alors, Nicole, je ne sais plus où est ton message. J'arrive, j'ai du mal à tout suivre en fait. La perfo ou, oui, je crois, elle est en fin de série, mais elle est encore disponible, pour autant que je sache. Alors, Valérie, tu dis que tu n'arrives pas à te servir des perfo bordures. Qu'est-ce qui te pose problème? Parce que tu as vu, je l'ai fait en live devant toi. C'est tout simple en fait. Ce qu'il faut surtout, c'est... se guider, placer la découpe. La première, moi je préfère commencer par le centre. On peut faire aussi, si on fait juste la bordure ici, regardez, si je redécoupe là, hop, et je redécoupe juste au bord, et ça fait une bande pour mettre sur ce qu'on veut. D'ailleurs, ça peut être sur le pourtour d'une boîte par exemple. Regarde comme c'est joli. Et on met ça sur le pourtour d'une boîte. Ça fait tout le tour. C'est super joli. Alors Marie-Claude qui confirme effectivement qu'elle aime aussi beaucoup la perforatrice. Ou Patou qui dit qu'elle ne savait pas les utiliser. Et bien voilà. Voilà. T'as vu, c'est tout simple. Tout simple et de jolis résultats. Sachant qu'on peut aussi utiliser après les petites découpes. Alors pour le hou, les petites feuilles sont sympas à utiliser. Les petites branchettes, les petits fruits, c'est un petit peu plus délicat. Mais ça fait quelque chose de trop joli. Je prends les deux, nous dit Marité. Ah, Véro a reçu aussi sa petite pochette. Sa petite pochette créative pour la tombola. Donc, amuse-toi bien. Et Marie-Ange nous dit que les perfos... Alors, je suis en train de lire... J'ai eu un blanc, excusez-moi, mais j'étais en train de lire tous vos messages. Donc, les... Alors, ce n'était pas le but, mais finalement, vous voyez, c'est assez rigolo. J'avais jamais pensé qu'effectivement, il y avait des explications un peu plus en détail à donner avec ces perforatrices. Mais voyez, ça tombait bien. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que là, ces cartes-là... Bon, alors, il y a l'embossage qui demande à avoir une machine, effectivement. Mais on pourrait très bien le faire sans embosser. Alors, il y aura un petit truc en moins, mais on peut très bien le faire sans embosser le velin. Et ça reste une très jolie carte. Donc, je vous dis qu'on peut mettre aussi en volume pour la présenter, ce qui est plutôt chouette. Et du coup, on a toute la petite forêt comme ça qui vient en volume. Alors, Jocelyne nous dit qu'elle l'a fait en épinette enivrante et soyeuse succulente et blanc. Et j'ai ajouté du sous-lécume
pour le velin. Super, bonne idée aussi. On peut aussi remettre du feuillage vert et rouge. Alors, je ne sais plus du coup de quoi il était question, Marion. Je suis désolée. Tu l'as pas encore reçu, Astrid? Bah, j'espère qu'elle va arriver vite alors. Parce que normalement, tout était parti en même temps. Et là, ça fait déjà un moment. Enfin, ça doit faire une semaine. Je crois que je la voyais lundi. Et Marité nous dit qu'elle a beaucoup utilisé effectivement les petites feuilles de houx. C'est vrai que ça nous fait plein de petites feuilles de houx qui sont vraiment mimi en fait, avec la perfo. Puis on a tous les petits fruits, etc. qui sont tout mimi. Et me revoilà. Alors, on est prête. On va faire plein de petites cartes. Vous avez vu qu'elles sont finalement assez rapides à faire. Facile, ce qui veut dire que si vous êtes un petit peu à la bourre sur vos cartes de vœux, fastoche. Et du coup, alors j'ai du velin ancien imprimé en blanc. Alors ça peut être aussi tout à fait ça, Marie-Josée. Je suis tout à fait d'accord si vous avez, parce qu'effectivement on a eu des velins qui étaient imprimés. Donc si vous n'avez pas la machine, si vous êtes débutant, que vous n'avez pas encore trop de matériel, vous voyez qu'en fait là on a besoin un peu de papier et une perfo. Basta. Une perfo, un set avec des messages. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. Si on enlève le fait d'embosser ici, où là, effectivement, il faut la machine, mais même sans embosser, je suis sûre que ça donne quelque chose qui est très joli. Donc voilà. Et puis, toujours avec cette possibilité de placer une photo. Alors là, elle est trop longue, ma... Mon petit morceau de truc. Hop là. Toujours avec cette possibilité de laisser une carte cadeau, un petit billet, une photo dans la petite pochette à l'intérieur. Et ça, je trouve que c'est plutôt rigolo aussi, de laisser la surprise quand on ouvre, de découvrir quelque chose. Alors, en faisant des sapins un peu plus haut, est-ce qu'ils ne se détacheraient pas trop? Alors, possible, mais dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre simplement des petits mini points de colle au dos. Mais en même temps, si on la met en volume, c'est ce qui fait joli aussi, c'est que les sapins se détachent. Mais s'ils se détachent trop, simplement des petits mini points de colle au dos. Mais si on n'a pas la machine, le papier velin couleur scintillant, ça suffit. Voilà, alors c'est tout à fait ça, du papier. Mais même si c'est du papier velin blanc, celui-ci, ça donnera un effet de transparence qui sera très joli aussi. Et Edith nous dit qu'elle attend elle aussi sa perfo sapin. Il va y avoir dans le catalogue... Alors c'est tout à fait ça Jocelyne, effectivement. Mais on ne va pas tout raconter. Mais effectivement, dans le prochain catalogue printemps-été, on va avoir un velin qui est imprimé, qui est très très joli. Pas dans le thème forcément ici, mais avec d'autres thèmes de cartes. Et avec cet effet de venture de cartes qui est en deux parties avec un effet transparent. Et du coup, on pourra tout à fait l'utiliser. Et si on n'a pas le papier blanc scintillant, pourquoi ne pas mettre du papier du Wink of Stella sur la rangée de petits sapins? Effectivement, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, je ne vous raconte pas tout, mais c'est une technique que je vais utiliser mercredi prochain. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Pour le programme à venir, donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, mercredi, on se retrouve pour une vidéo montée, un tutoriel, puisque c'est le bloc hop des petits papiers et qu'on va se retrouver sur le thème de Noël, mais pas en vert et rouge. Alors, je ne sais pas pourquoi tu nous dis encore Marie-Claude, mais... Et Marie-Ange qui nous dit vivement janvier pour les commandes. Ah, la CB, ah ben oui, je sais bien, là, oui, c'est vrai qu'elle a des sueurs froides, notre pauvre CB. Donc, on se retrouve mercredi midi pour une vidéo comme vous en avez l'habitude. Et là, ce sera le bloc-up des petits papiers sur le thème de Noël, pas en vert et rouge. Donc, ça pourrait être que en rouge, Merlot magique, ou que en vert, mais pas en vert et rouge en tout cas.
on va sortir de ce combo traditionnel. Moi, je vous ai prévu une petite carte. Franchement, je l'aime beaucoup. Avec une technique, je me suis vraiment amusée. Je vous ai parlé de ménage dans des précédentes vidéos. Vous allez voir, là, on va faire d'autres choses. Mais je ne vous dis pas tout. Je ne vous dis pas tout. Alors, Suzanne nous dit, je sais que ce n'est pas le sujet du jour, mais j'attendais que mon destinataire du calendrier de l'Avent soit arrivé, que le calendrier de l'Avent soit arrivé chez son destinataire pour vous remercier de ce merveilleux projet. Mais grand, grand merci, Suzanne. Je crois que c'est dommage que je n'ai pas récupéré toutes les photos qui m'ont été envoyées ou j'ai été taguée parce que j'en ai vu plein, plein, plein et c'était vraiment très joli. Alors... Alors justement, Nicole, j'en étais à parler du programme. J'ai du mal à terminer phrase parce que je suis en train de lire vos messages en même temps. Mais ça, c'est pas bête. Ce que nous dit Marie, elle dit du coup, on peut mettre le petit mot à l'intérieur en le mettant à l'envers, ici, pour qu'on ne le voit pas. Et du coup, on voit que le blanc du papier. Et du coup, on ne voit pas que ça cache quelque chose. Au fond de chaque petit livre, j'ai collé des photos de famille qui racontent une histoire. Ça, c'est très mignon. Très, très mignon, Suzanne. Alors, Marie-Claude qui dit ce que vous créez. Toujours superbe. T'es trop mignonne, Marie-Claude. Je suis décalée. Je vais faire le tuto la semaine la semaine dernière. Ok. Pas de problème. Mais en même temps, c'est l'avantage des replays. Hein. Alors oui, mercredi, mais en plus, moi j'ai fait mon projet, mais il y aura tous ceux des petits papiers, donc ça va être chouette. Et ensuite, du coup, je vous ferai l'article du blog pour cette carte-ci, pour retrouver toutes les dimensions, etc., même si c'est beaucoup plus simple que celui de la semaine dernière, mais je vous le posterai dimanche prochain, comme ça vous pourrez facilement retrouver le live, tout sera consigné dans l'article du blog. Et... je vais répondre à ta question, Florence. Et ensuite, je vous retrouve le 2 janvier. On pourra se fêter une bonne année, se souhaiter une bonne année. Et là, ce sera en live pour vous présenter les nouveautés. Comme d'habitude, j'essaierai de vous faire plein de petits projets. Et donc, je vous montrerai tout ce qui va sortir, sachant que ce sera juste la veille de la sortie des nouveautés. Donc, vous n'aurez pas trop à attendre. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Enfin, il y a vraiment des très, très jolies choses dans ce nouveau catalogue. Alors, Jocelyne dit, devra-t-on sortir la Javel? Elle veut tout savoir sans rien payer, Jocelyne. Alors, on ne sortira pas la Javel, mais je dis rien. Je dis rien, mais on... voilà. C'est... Bref, vous verrez ça mercredi. je garde la surprise. Alors, Thérèse nous dit merci beaucoup, je préfère les deux. On a raison, choisir c'est renoncer, donc pourquoi choisir? Alors, Dominique nous dit compliqué d'être à l'heure le dimanche, mais le replay, heureusement. Eh bien, oui, effectivement, le replay. Donc, je vous disais, dimanche prochain, vous aurez l'article du blog avec tous les détails et je vous remettrai les plans, etc., les mesures. De ce projet-ci. Mercredi, on se retrouve pour le blog Hop. Et le 2, dimanche 2 janvier, veille du lancement du catalogue printemps-été, je vous montrerai tout ce que j'ai reçu et tout ce avec quoi j'aurai déjà joué pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Je suis désolée, je vais certainement encore jouer les tentatrices. Alors, Dominique nous dit qu'elle a aussi reçu, que la poste a bien fait son job et qu'elle a reçu son cadeau. Super. J'espère qu'Astrid, tu vas le recevoir rapidement parce que tout est parti en même temps. Alors, le nouveau catalogue sera dans nos boîtes en janvier. Il sera dans vos boîtes. Alors, ma réponse, c'est toujours un peu une réponse de Normand. Elle sera là le plus rapidement possible. Mais comme vous le savez, je fais toujours mes petits marque-pages qui vont à l'intérieur. Donc, il faut que je termine tout ça. Donc, au plus tôt. Sur janvier, ça c'est sûr, mais je peux pas encore, j'ai pas encore terminé de faire tous mes tags, je travaille dessus d'arrache-pied, donc au plus vite, je vous les envoie, sachant que, bien sûr, dès le 3, vous aurez la version numérique
en PDF sur le blog. Je sais qu'en version numérique, c'est pas aussi bien que le papier, que les pages que l'on tourne, mais je fais en sorte que vous l'ayez vraiment au plus vite. De la permanganate de soude, non, ce sera pas ça. C'est pas ça. Mais du sel de magnésium, vous allez tout. Je ne dirai rien. Motus et bouche cousue. Alors, Sabrina nous demande, est-ce qu'on va avoir la plaque aimantée, pas alimentée, mais aimantée, j'imagine, pour Marie-Daphné. On n'a pas de nouvelles sur le sujet, donc pour l'instant, je ne sais pas. Peut-on vous joindre par téléphone? Quelques questions à vous poser, Liliane? Oui, sans problème. Mon numéro de téléphone est sur le blog. Il y a un petit onglet qui se trouve sous la bannière où il y a marqué « Me contacter » et mon numéro de téléphone est là. Donc, aucun problème, on peut me contacter par téléphone. Oui, je suis vraiment désolée Astrid, j'espère que tu vas le recevoir très très vite, ton enveloppe. Merci Christelle qui nous dit que les cartes sont très belles. Est-ce qu'il va y avoir un groupe Facebook? Oui, ça c'est la question de Micheline. Oui, c'est prévu, je ne m'y suis pas encore attelée, mais c'est prévu. Alors, ensuite Simone qui nous dit que, un coup de fil de son fiston, donc elle n'a pas eu toutes les explications. Il y aura le replay qui va être là tout de suite après. Magali nous dit, j'arrive après la guerre. Oui, effectivement, on en est au moment papotage, mais voilà les petites cartes que l'on a réalisées ensemble. Extrêmement facile à faire, parce que là, clairement, on a fini depuis quasiment une demi-heure. C'était vraiment sur les... du papotage, donc rapide à faire. Parfaite si vous êtes en retard pour les cartes de vœux. Et avec quand même un peu d'originalité. Et pour te montrer nos créas, oui, bien sûr. Alors, il y a deux choses. Le groupe, effectivement, Facebook que l'on va faire pour les colos papinadas, et les papinados, on n'oublie pas les colos papinados, évidemment, sera là, effectivement, pour monter vos créas. Si vous voulez les montrer, ah oui, on en parlait tout à l'heure. Vous pouvez les poster en commentaire de mes posts sur la page Facebook. Si vous les postez sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, donc vous pouvez me taguer, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que vous allez faire @ et commencer à écrire couleur papier. Et en fait, normalement, il devra vous proposer couleur papier, donc vous mettez le @ couleur papier, et quand vous allez écrire COULH, tout de suite il va dire ah oui ok, ça, le truc écrit comme ça je connais, et il va vous le proposer. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir me taguer, @ couleur papier, et quand il vous le propose, vous le sélectionnez. Et Liliane nous dit trop beau, pressé de les réaliser. Franchement, vous avez vu hein, je crois que j'ai jamais fait un live aussi rapide, même en papotant. Parce que, alors qu'elles ont quand même pas mal d'allure ces cartes, elles sont jolies. Là vous avez vu, non c'était celle-ci. On a tous les petits bijoux qui reflètent la lumière dans tous les sens. On a plein de petits détails, toujours la petite transparence. Enfin voilà, moi j'avoue que j'aime bien. Simple et efficace, comme on dit. Voilà, voilà. Mais du coup, on a passé que 1h30 ensemble. On se retrouve mercredi pour le blog des petits papiers. Dimanche prochain, uniquement l'article du blog qui reprendra toutes les informations qui vous a été données dans ce live. Et après, petite pause déconfiseur, petite trêve déconfiseur. Et on se retrouve le 2 janvier. Je pense qu'on fera 4 heures, comme ça a l'air de bien vous convenir, 4 heures le dimanche après-midi. Donc dimanche 2 janvier, 16 heures. Et là, ce sera pour vous dévoiler les nouveautés du catalogue automne-hiver. Printemps-été. Voilà, voilà. Et alors, du coup Florence dit, ok, je ne savais pas faire, voilà. Pour taguer couleur papier, @ couleur papier, il vous propose le truc et vous le sélectionnez. Et du coup, moi, je suis alertée en disant, Florence a tagué couleur papier, va voir. Il faudrait un cours détaillé pour Facebook. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses, plein de petits détails, mais voilà, c'est... Et du coup, si vous faites la même chose sur Instagram, vous pouvez aussi d'ailleurs me taguer. Si vous faites une story Instagram, vous pouvez aller chercher... Alors, quand vous allez chercher... Alors, je crois que vous avez une petite icône avec un petit smiley. Et en fait, dans la liste, derrière, vous avez plein de possibilités, dont un truc où il y a marqué @. Je crois que c'est marqué @.
Et du coup, après, vous allez pouvoir taguer couleur papier. Et donc, moi, je suis prévenue quand vous allez taguer couleur papier. Donc, Marie-Claude, qui est déjà dans les starting blocks, d'accord, pour le 2 janvier et le 3 sur le site avec la carte en main. Je t'adore, Marie-Claude, t'es trop mignonne. J'aime beaucoup. Et on prendra le goûter, exactement, Liliane. On prendra le goûter ensemble. J'aime bien cette idée de prendre le goûter ensemble. Alors, Chantal, on termine, mais effectivement, tu pourras tout revoir en replay. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite évidemment de très belles fêtes, même si je ne vous quitte pas tout de suite. Hein, vous avez entendu, on se retrouve mercredi, puis dimanche, mercredi pour un tuto enregistré et dimanche pour le blog, l'article du blog sur cette carte. Je vous fais plein d'énormes bisous si je n'ai pas l'occasion de vous parler de vive voix d'ici là. Passez de très belles fêtes. Et pour vous souhaiter la bonne année, ben là on se retrouvera en vrai. J'aurai l'occasion, le grand plaisir de vous le dire de vive voix. Avec un bon thé. Voilà, alors aujourd'hui c'est... Aujourd'hui c'est Montagne d'or de chez Mariage Frères, qui est très très bon, qui fait partie de mes favoris. Celui-là, il est toujours à la maison. Montagne d'or et Boléro. Ceux-là, je ne peux pas être en rupture. Je les ai toujours, toujours, toujours à la maison. C'est des thés noirs aromatisés aux fruits qui sont délicieux. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très bonne, très belle fin de dimanche. Passez des belles fêtes. Embrassez tous ceux que vous aimez. Et